Matrassa. Je regarderai ça, ça marche, Samy. Sur le Discord. Je regarderai ça. Après ça, Shian aussi, garde en tête que de toute façon, parce que je voyais parler de trucs avec les sprinteurs, soit sprinteurs, soit pas sprinteurs, etc. Il y a évidemment moyen de faire des entre-deux. Hein. Il y a des modes qui existent qui permettent d'avoir des sprinteurs, une quantité de sprinteurs, des sprinteurs la nuit ou le jour, etc. Donc il y a aussi tous ces entre-deux qui seront peut-être possibles. Ouais, on est en train de perdre des ressources là. Champignons aussi, mec. Pardon, pas trop de ressources. Pas trop, joue pas trop à ça. Bébé, bien nourri, bien bu, tout va bien. Bah, de toute façon, c'est vrai, y'a plus qu'un seul bébé là. Ah putain, c'est top. Je suis tellement dégoûté pour Teuf là. Bouffé par les poules. Et par contre, j'ai essayé aussi, les amis, s'il y en a un certain truc qui savent faire, j'ai essayé de mettre une map sur le serveur de Project Zomboid. Il y a Dane qui m'a corrigé, j'avais fait des erreurs. Donc Dan m'a corrigé en me disant faut faire comme ci, comme ça. J'ai fait, ça change rien. J'ai reset le serveur, j'ai refait les réglages, ça change rien. Raven Creek ne veut pas apparaître sur mon serveur. Donc je sais pas si vous savez faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord ou autre. Je galère. C'est le bruit qui dit quand ils dorment. Ah non, c'est qu'ils ont froid. Bon, il fait 4 degrés dans le rocher là. Donc il fait plus froid dans le rocher que dehors. Ah putain. Vous imaginez, ça se trouve c'est pire en fait. L'intérieur du rocher c'est pire que dehors. Il fait 5 degrés dedans et dehors il... Putain. Et les poules qui ne viennent pas. Qui ne viennent jamais. À mon avis, les poules, elles sont bloquées. Quand je leur dis de faire un déplacement manuel, c'est bon, mais sinon... C'est une trappe pour animaux, ça. Ouais, ouais. Hop, vite. Prius pour ça. 25 de paille, c'est bon. Branche 2. Il va falloir aller taper un peu de roseau là. Parce que faire des réserves de paille pour l'hiver. Hop, ici aussi. Bizarre, j'ai pas eu de problème avec cette map. C'est bien plus compliqué à jouer le mix de Z. Ouais. Ouais, justement. Et ça serait pas mal. Je pense que ça peut être plus sympa. Mais le problème, c'est aussi... t'auras le même problème que sur Apocalypseum, c'est avec les sprinters, c'est-à-dire que sur serveur, tu vas avoir des sprinters qui vont apparaître bizarrement. Donc beaucoup de chances de te faire buter quand tu joues en équipe, parce que les sprinters, ils apparaissent bizarrement, t'as l'impression que tu es aggro, alors qu'en fait non, c'est le collègue qui est aggro, etc. Sans champignons. Ok, continue de les récolter, c'est très bien ce qui se passe là. 16 jours d'avance. Hein. Donc, vous voyez, on est à la moitié de l'automne, je suis aux 3 quarts du temps que j'ai pour fabriquer tout ce que j'ai à faire et je suis déjà à quasiment 2 saisons de survie. Bah, à Skip, ça s'est réglé avec la 41-73. J'en doute. D'où tu tiens ça? Du changelog?
Hop, alors, on continue. Même longueur d'onde, donc vitesse x4, on continue de bourriner les champignons, la paille d'avance, des branches aussi, enfin j'en chope. Intérieur 12 degrés, extérieur 15. Putain, mais en fait il fait plus froid dans la montagne quoi. C'est ça aussi RimWorld Indy? C'est dans le patch note. Ok, d'accord. Ça marche. Apparemment il fait plus froid dans la montagne. Ah, je suis étonné. Peut-être faire un deuxième stockage de panier à nourriture. Pas trop de chevaux de mettre, on va le mettre là. Branche 20, paille 40. Ok. Branche, on va donner quelques tâches de branche. Oh là là là, il n'y a plus de branche. Voilà, récupère-moi ça. Branche pareil, l'hiver c'est mort, je crois. Hein. Le bébé, il va bien. Ah bah il le donne à boire avec la cruche là. Top pour ça aussi la cruche en ce cas. Pas besoin d'aller l'emmener là-bas. Le bébé il a plus besoin de sortir assis pour le laver. Indy il s'éclate. Indy plus jeune du clan. Voilà, 23 jours d'avance hein, les amis. Hein. 23 jours d'avance. Hein. Donc ça fait 2 saisons. Là pour l'instant je tiens jusqu'à la fin du printemps. Ça va. Sachant qu'il y a les lapins. En plus hiver. Donc non, ça se fait bien, mais c'est encore le même, toujours pareil, hein. Le jeu vient de sortir, enfin le jeu est sorti il y a 3 semaines là, sur Steam, le dev, il a sorti un patch ce matin d'optimisation, maintenant le jeu il tourne du feu de dieu avec plus de 10 personnages, maintenant on peut aller jusqu'à 40 personnages et 40 animaux sans problème, j'ai bon espoir que la difficulté du jeu soit augmentée / équilibrée. Parce qu'il n'y a pas que augmenter la difficulté, il y a aussi équilibrer l'existant. Comme je disais, les champignons là permettent beaucoup de choses. Et là, le départ le plus hardcore qu'on peut avoir, avec 3 enfants, 3 bébés. Bon, comme dit, j'ai perdu un bébé, donc c'est quand même un petit échec. Mais c'est surtout les histoires de priorité de tâches en fait que j'aurais dû ralentir un peu. Je pensais pas que ça aurait pu arriver. Mais c'est pas un complet échec puisque tout le reste sont encore vivants. On a gagné un peu d'argent, je sais pas comment. Ah si, y a personne qui est venu dormir. Le reste est encore vivant et on commence à bien stacker la bouffe. Donc, je pense que ça va bien se passer. Sauf si il fait tellement froid. À part s'il fait tellement froid que ça sera en prix au rouge pendant l'hiver. S'il fait tellement froid qu'ils crèvent de froid pendant l'hiver et n'ont pas de faim ou de soif. Ils ont faim. En train de dire qu'ils ont faim, ils sont mignons. Excusez-moi, faut que je confirme je dois confirmer un IBAN. Hop, ouais, les trucs qui sont en train de pourrir, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est les champignons qui font tout là.
Voilà, là-dedans, on va enlever les champignons crus et là-dedans, on peut tout mettre. Good. Maintenant les branches, on fait un peu le stock de branches. Paille 367, c'est cool. Oh, ça se passe vraiment bien. Tu veux le mien pour un virement. Pour la blague, je veux bien, mais vu le montant, c'est mort. Là, c'est un virement de 300 000 euros que je vais recevoir, les amis. Je vais m'acheter des céréales avec. Des Golden Grahams. Golden Grahams. Oh non, mon général. Oh non. Allez, on repart en Benzaï. Ah, il y a un œuf. Et bah enfin, bah oui, parce que maintenant, la trappe est faite. Elles peuvent accéder au dodo, et c'est là-dessus qu'elles couvent et qu'elles pondent. Voilà. Et les poules vont me réchauffer, j'en suis certain. Vous allez chauffer la salle, les poules. Ah, il se passe quoi, là? Ah non, putain, j'ai cru que ça avait pris feu. Donc ça, ça génère de la chaleur parce que c'est pourri. Ça, c'est pas pourri, ça génère pas de chaleur. Bizarre. Bah vas-y, je veux bien. C'est ce qui est pourri fait de la chaleur, les gars. Vous avez un composteur chez vous, vous pouvez vérifier. Mettez un thermomètre dedans. Bizarre le concept, je trouve. Caca, c'est pas grave, il y a l'ami Christian qui s'occupe de lui, son grand frère. Hop, c'est bon, arrêtez, il y a bien assez de, on est déjà à 500 branches là, on est bien. Ah, ça baisse pas en qualité, mais après les utilisations, les flûtes, je pensais. Ok. Non mais ça se passe bien de ouf là. Voilà, vous avez comment vidéo comment survivre à... comment survivre au pire start vers la fin de l'hiver. J'en ferai peut-être une vidéo YouTube, tiens. S'il y en a qui, je sais que les personnes qu'on connaissent pas RimWorld, les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu. Ça peut être un casse-tête pour elle de pas comprendre où est-ce que ça bloque, de pas comprendre où est-ce qu'il y a des blocages, donc peut-être que j'en ferai une vidéo. Un bric-à-brac sur Clanfolk, pas un bric-à-brac, il faut pas déconner. Pas de peau là-dedans, putain. Dégage. C'est en train de pourrir à cause de la flotte. La fertilisation, c'est pareil. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un toit en paille accroché à la montagne? Ah bah ouais. Je peux. Et y'en a qu'on arrive en sauveur pour le fumier. Il sauve le fumier. C'est beau. Champignons, j'en ai plus. 685, 21 jours d'avance. Il en faut d'autres. Il n'y a plus de viande, je sais bien, c'est pas grave. Colline est arrivée. Merde, non, bah, c'est pas grave, il y a Diana. Parfait. T'as eu de la chance, Diana, ça a failli tomber sur toi, mais finalement, Colline était trop con pour accepter ma proposition. Va faire caca et viens manger, viens dormir. Par contre, tu payes après. Hein. Toujours là pour sauver les meubles. Toujours le Yanaki, on a toujours. Là, t'es au chiotte, mais. Tu vas aux chiottes, mais
Sinon t'es toujours là. Ah les grands frères ils ont carré la game. Et la grande sœur. Yanaconda, Achelia et Christian. Christian c'était un bébé qui a grandi. Et Mako, merde, Mako. Et sauveur. Tac. Ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents, je pense que l'environnement. Oh, mais ça va. Moins 580. Très grande pièce, 500. Ah ouais! Le fait que ce soit une très grande pièce, ça compense complètement que ce soit une pièce de merde. Début de game, il faut vivre à côté de l'eau. Ils boivent, ils se lavent, ils pêchent. Il faut vivre à côté de l'eau. Ça, même là, c'est trop loin. Vous mettez vos lits là. Vous avez vu, en pleine nuit, ils boivent. Donc en pleine nuit, c'est-à-dire que sinon, comme je vous avais montré la dernière fois, bah, il faut qu'ils fassent des allers-retours de perte de temps, de ouf. S'il fout là-bas, Indy. Qu'est-ce que t'as amené, Indy, là-bas? Ça y est, t'as vraiment décidé de le noyer, toi. Toujours là pour filer un coup de main, Yanaconda. Indy est porté, il est content. Humeur max 4000. Il est nourri à la cruche. Sauvé. Nouveau bébé poulet. En voilà des bonnes nouvelles. Encore un nouveau bébé poulet, putain. Ah mais là j'ai plus de place pour les bébés poulets, les gars. On va creuser un peu plus dans la montagne pour libérer les bébés poulets. Ouais. J'en pire prendront plus tard. Tristan part chasser, Indy est pas du tout prêt d'être grand. Chaleur, plus de poules, plus de chaleur. Good. Température 600, 1, 2, 3, 4. On va faire... bah non, ils sont 5. 5. J'ai 10 pots séchés. Ça consomme de super. Au top, ça. Je pensais pas que je pourrais faire ça d'une traite comme ça, là. Mais si, ils vont avoir des capuches pour l'hiver, comme ça. Top. Ok, continue avec les champignons. Indiqué chopé avant de sortir. Je sais pas à quoi pourrait ressembler la trappe en vrai. La trappe IRL, je sais pas à quoi elle pourrait ressembler. Pour laisser passer des poules dans de la pierre en utilisant. Vous avez une heure pour me donner la solution. De la paille et des branches.
Avec de la paille et des branches, vous faites une trappe dans la pierre qui permet de laisser passer les poules. Je crois que c'est la colle. Mais bon, je vais pas gueuler, je suis bien content qu'on puisse le faire avec si peu de moyens. Allez, on va enlever les dernières ordres de champignons. Priorité de transport. Voilà. Jour 6. Oh là, il fait plus froid dans la grotte, j'en reviens pas. Le feu de camp va tourner en boucle. La paille ne pourrit pas avec la flotte, c'est étonnant. Elisabeth, viens Elisabeth, pas de soucis. Paye. Caca. Fais caca chez Indy. Je fais caca chez Indy. Mange des champignons pas secs, sinon je t'éclate. Éclate ta gueule. Cher Christian, comment ça va? C'est pas fameux. Hein. C'est amusé, honte, WC, affiché dehors, à faim, honte, accident, sommeil perturbé, chemise rudimentaire, tartan, environnement, -1900. Ouais. Il y a eu des jours meilleurs, mais bon, tes parents sont morts, alors. Ils ont oublié de l'ajouter à la liste. Putain, Elisabeth, quoi. Eh bien, je suis de passage dans le coin, on va aller dormir chez les orphelins. On va aller dormir chez les orphelins et le bébé mort. Leur petit frère mort. Je dors dans quel lit, là? Devine. Ignoble. Ignoble ce jeu. Ignoble ce start. Ouais, la salle est tellement grande que ça annule vraiment le... Au début c'était pas assez grand, c'était tout mauvais, mais là c'est tellement grand, le bonus de grande pièce il est top. Ouais, il tente de s'amuser, Tristan. Panier à fumier. Ah, il y a le caca là à nettoyer. Mais panier à fumier, elles en avaient pas un. Non. Ok. J'en refais un. Avec plaisir. Nouveau bébé poulet. Un bébé poulet. Deux bébés poulets. Nouveau bébé poulet. Anaconda est désormais un adulte. Un adulte accompli. Moi qui pensais avoir encore un bébé poulet. Une annonce de bébé poulet. Hop, mettre ça au bout. Cool. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Super. 24 jours d'avance. Bon. Voilà, on a compris le délire. La bouffe ne va pas être un problème.
Bon, ils se partent tous. Hein. Non, ils font du rangement. Anaconda, il part où ? Transport. Et il restait les brindilles. Ok. Il restait des brindilles. Très bien. Sa priorité, c'est bon, ça dégage. Il reste de la paille également, ok. Ah, ils peuvent transporter 200, j'avais un doute. Mangez pas des secs ? Bah si, y'a que ça. Tous les humidons sont transformés, là. Ok. Voilà, on creuse. Oh putain ! Le plafond s'est effondré. Toi. Oh là là là, heureusement que ça c'est pas. Il n'y a pas de truc qui est tombé. Hein. Bon. Ok. Le trou est couvert. Au moins on peut couvrir le truc quoi. Mais merde, j'avais pas prévu ça. Dans ce cas, on va faire ça, ça, ça. S'il y a besoin d'agrandissement. On va laisser le truc central. On va démarrer la construction du sol amélioré hein, parce que bon, ils ont plus trop de taf là. Hop, c'est bon, arrêté. Il me fallait une nouvelle paillasse, c'est tout. Ah ouais, il va y avoir besoin d'argile, c'est vrai. Paillasse d'argile avec une houe, et la houe, je sais pas dans quel état elle était. Ah, si, ça va. Ça améliorera la vitesse dans le bâtiment, plus. L'environnement. Donc ils seront un peu plus joyeux. Peut-être que pour passer l'hiver, ça sera un boost pas dégueulasse. Verra bien. Ah, ça fait du bien de les voir courir un peu plus vite là. On va mettre de la prio du coup là-dessus. Hein. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Et ça, prio également. Ah ben, un cirstan qui arrive. Hop là. Débloquer les bas fourneaux. Ok. Pour faire du métal. Je ne ferai pas ça pour l'instant. Pas du tout besoin. Le petit Indy, il va bien, super. x12, génial. Et non, il y a Mako qui se lève. C'est bon, il s'en couche. Pas besoin, là, je veux juste savoir si j'arrive à survivre à la première hiver.
Et je pense pas que j'irai même plus loin dans cette partie, les amis. Si j'arrive à faire ça, je sais que c'est bon, quoi. Je sais que c'est bon. Et dans ce cas-là, en effet, ça veut dire que... Que la game après, c'est plus simple. Petit coup de flûte.